Bonjour à tous et bienvenue sur Adius TV, on se retrouve pour ce quatrième épisode sur Anno 1800. Alors on se retrouve à Arca où j'ai d'ores et déjà tout ce qu'il faut pour fabriquer le théâtre. Voilà. Ah, il y a le festival qui est en cours. Regardez ça. Hop. Ça à ma gloire, c'est quand même la classe. Ok, donc du coup il va leur manquer les machines à coudre pour le bonheur. Là ils ont les cabarets et maintenant il va leur manquer le rhum, d'où l'intérêt de passer au nouveau monde. Et comme vous pouvez le voir, j'ai colonisé deux îles. En fait j'ai pris celle-ci, voilà, la grande, très grande même, très sympa. Sur lesquels il y a les bananes, la canne à sucre pour faire le rhum, le cacao, le maïs et le caoutchouc. Et j'ai colonisé également, ou en tout cas pas encore en fait, mais voilà qui est fait, cette deuxième île sur laquelle il y aura le coton, également de quoi faire du rhum, le café et le tabac. Ça, je pense qu'on a à peu près tout. Ici, on a seulement un gisement argileux pardon, et trois gisements d'or. Ici, on a deux gisements argileux et cinq gisements d'or. Ce qui me manque juste, ce serait le pétrole. Alors ici, il y en a 10. Donc, je pense que ce sera la troisième. Comme ça, en plus, elles seront assez regroupées. Ici, il y a quoi? Il y a un petit peu d'or, un petit peu d'argile, mais bon, elle est vraiment toute petite. Donc on verra beaucoup plus tard. Alors on va s'occuper du coup de d'ici pour faire. Alors j'ai déjà mis le marché. J'ai juste tracé des routes et mis le marché. J'ai pas encore traversé les rivières pour faire des ponts. Il y a quand même beaucoup de rivières. Hein. C'est quand même très. Ça serpente quand même beaucoup à travers les terres. Ici, on va pouvoir faire des plantations. Donc, on va commencer par mettre quelques habitations. Je pense que le centre-ville va être par ici. Vous avez franchi une nouvelle ok, et on repart de zéro, en fait, ou quasiment, avec ces nouveaux habitants. Comme ça. Alors je vous disais que la forêt était quand même assez embêtante. Est-ce que je peux... donc si je garde tout ça pour la ville... Il faudrait que je fasse au moins une scierie, récupérer du bois. Voilà, une ici. Une deuxième. Parce que 2 ça serait suffisant. Allez, on va dire que oui. Hop, hop. On va faire bien sûr le dépôt. Voilà. On va faire une route. On va délimiter un peu la zone d'influence de la Syrie. Enfin de la... Je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. La cabane de bûcheron, pardon. Hop, on va les connecter bien sûr. Et voilà. Du coup, on peut démolir un peu la forêt qui est par là. Voilà, on y voit un peu plus clair. Tout ça, on n'exploitera pas la forêt. Là, dans ce petit coin peut-être. Non, je pense pas. Libérer la plage. Ok, on y voit beaucoup plus clair. Donc mes paysans ici ont besoin de marcher, ça c'est fait. Ils ont donc besoin de plantain frit, le repas du champion. Donc on va faire une fabrique d'huile. Alors j'ai déjà pas assez de paysans. Ouais, si ils arrivent pas, ça va pas le faire.
Alors, ici c'est 30 secondes, 30 secondes, et ici 30 secondes aussi. Voilà pourquoi j'ai besoin absolument d'avoir la fertilité de banane. Alors, j'ai une plage ici aussi, ok. Toute petite plage. Et qui donne... qui va donner vers mon autre île. Faudra peut-être que je me garde un accès vers cette plage. Alors, tout ce qui est grisé, comme je disais, c'est la zone d'influence, enfin de la cabane des bûcherons. Donc on va éviter de marcher trop sur les plates-bandes. Voilà. Alors les plantations, c'est quand même extrêmement... On va se garder de la place pour faire une route. Le long de la plage, voilà. Ça prend énormément de place. Comme ça. Et comme ça, voilà. Alors, je manque de main d'œuvre. On va refaire quelques cabanes. S'il me reste assez de bois. Voilà. On est à fond. Il va falloir maintenant patienter un tout petit peu. Que ça se mette. Que tout se mette en route. Donc la romerie, c'est déjà ici, puisque eux ont besoin de rhum pour leur bonheur. Donc on va avoir besoin d'en faire beaucoup pour eux déjà dans un premier temps. Peut-être pour eux aussi, non, eux, ils pourront en faire aussi de leur côté. On va mettre en place les bases ici aussi. Là j'ai quoi? Gisement d'or. On va pouvoir mettre en place... Alors... ici dans le coin. Voilà, on va mettre une route. Ah, par contre, j'ai plus du tout de bois. J'ai plus du tout de bois sur cette île là. Donc, on va mettre là le groupe 1 et on va aller en chercher sur mon île principale, on va essayer de leur trouver un nom sympa aussi. Ça pourrait être cool. Là, on est bon au niveau des paysans. Les jornaleros. Excusez l'accent. Et de ce côté-là, on va attendre de récupérer du bois pour commencer à mettre en place tout ce dont on a besoin. Il y a des pirates qui rôdent. Alors, les pirates ici sont quand même beaucoup plus costauds que ceux de l'ancien monde. Donc, il va falloir y faire très très attention. C'est pour ça que si je mets des routes commerciales entre les deux îles, il faudra bien sûr que je les fasse escorter par des navires de guerre, parce que les pirates sont extrêmement actifs et ça risque de poser rapidement problème. Alors ici ça fabrique, ici on fabrique les bananes, ok, donc il me manque l'usine de banane plantain, hop, voilà, et à partir de là ils auront tout ce qu'il faut. Ok, on peut peut-être mettre, ah non je peux plus rien mettre ici, si, la scierie. Voilà, comme ça. Évidemment, je manque de monde. Mais on va aller récupérer du bois. Alors, je n'ai peut-être pas des masses ici. On va voir si je peux en acheter. On va mettre 30. En achat. Sait-on jamais s'il y a un bateau qui passe par là qui pourrait m'en vendre. J'ai un petit peu de budget, donc ça devrait bien se passer. Les pirates commencent déjà à venir un petit peu explorer de ce côté-là.
Alors on n'est pas en guerre. En tout cas pour le moment on n'est pas en guerre, donc c'est pour ça que le canon qui est sur l'entrepôt n'attaque pas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oui. Alors j'ai une petite frégate aussi ici, une petite goélette. Est-ce que je peux récupérer un peu de bois? J'en ai 18. Alors, je suis redescendu en négatif. Qu'est-ce qui se passe? On vivote, quoi. Oui, bah oui, des bananes. Mais d'accord. Ça arrive, ça arrive. Ça cuit, ça chauffe. Ça va arriver. Détendez-vous. On va récupérer 10. Est-ce que ça serait suffisant? Le festival est on va arrivé. Tout prendre. Enfin, on va en prendre 20. Et on va l'amener ici. Donc. Votre ville s'est enlaidie. Du coup, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être une ruine, quelque chose comme ça. Pollution, vulgarité. Non, elle s'est enlaidie comme ça tout d'un coup. Pourquoi pas? Là, ça bouchonne. Ouais, là, ça bouchonne. Clairement. Va peut-être falloir que je fasse. Ouais, ici aussi, c'est la cata. Alors, on va peut-être. On va regarder pour l'expédition archéologique. J'aurais peut-être préféré, dans un premier temps, une zoologique. Un bon capitaine respecte l'océan. Alors là, j'ai un clipper. Mon navire amiral, pourquoi pas. J'ai déjà chasse. Avec lui, navigation, force, puissance navale, il me manque un peu de médecine et des rations. Alors, je vais pas avoir grand chose bon, par contre, parce que c'est sûr, il est pas sur le bon continent. On va attendre un petit peu avant de la lancer. On va attendre un petit peu. Alors. On a dit de ce côté tout se passe bien. J'ai le budget qui baisse un peu. Eux tout va bien. Eux il leur manque le rhum, ça va arriver. Et eux tout va bien aussi. Ok. Allez, on repart sur le nouveau monde. Donc là, c'est toujours mon île secondaire. On va reprendre la principale. Ça y est, enfin, ça se stabilise. Du coup, je pense qu'ils vont avoir besoin de vêtements. Toujours pas, mais ça va arriver très très rapidement. Donc pour l'instant, c'est bloqué. Alors, on va agrandir un petit peu. Et on peut faire le rhum déjà, super. Alors il me faut une cabane de bûcheron. Ouais, on va la faire là. C'est une bonne idée. On va faire un petit dépôt. Pénurie de main d'œuvre. Voilà. Oui, je sais que j'ai pas d'habitants, mais ça va arriver. On se calme. Alors, j'ai déjà de quoi faire du bois. Et après, par contre, il va falloir planter de la canne à sucre. Et là, c'est pareil, ça prend énormément de place. On va essayer de se garder de la place ici pour les bananes. Au moins jusque là, je pense. Au moins. Alors du coup, est-ce qu'on partirait pas par là, sur une île? Par contre, il faut que je fasse un pont. Et le pont, je crois que ça me coûtait assez cher. Ça me coûte 20 bois. Je les ai pas. Alors, on va attendre un peu. Et on va commencer... On va essayer de ne pas dépasser cette limite. L'entrepôt, pour l'instant, je peux pas le faire. C'est prêt à partir sous presse. Voilà, vous voyez juste une ferme, la place que ça prend.
Alors, relations diplomatiques avec Jean de la Fortune se sont récemment dégradées. C'est un pirate. On va peut-être modifier un petit peu. Consumérisme, revenu plus 10%, ça me va bien. C'est un privilège de travailler. Hop, allez-y. Zouf. Voilà, comme ça, on va augmenter un peu les. Monter un petit peu les revenus, ça ne pourra pas faire de mal. Comme c'est inattendu. Alors, ça lui a pas plu à elle. Je pense que l'autre non plus, ça va pas lui plaire. Alors, 30 secondes, 30 secondes. Par contre, je pense que je peux partir au moins sur 4 d'emblée. Vous avez directement une nouvelle étape. C'est toujours le bois qui va manquer. Alors, nouvelle étape égale. Nouveau besoin. Alors, lui est arrivé. Alors, il est où mon bateau? Là. Ok. Là, j'aurais pas besoin d'énormément de gens. Normalement. Alors, on va essayer d'y aller mollo. Ah, par contre, eux, ils vont avoir faim aussi, du coup. Ils vont avoir faim. Ah, j'ai laissé un trou. Sauvegarder. Alors, on coche ça. Et ici, j'ai pas de bananes, donc je peux pas leur faire à manger. Donc, il va falloir que je fasse à manger ici pour tout le monde. Avec les plantations de bananes, ici, sinon, il y en a aussi. Mais bon, pour l'instant, je peux pas gérer 3 îles d'un coup, ça va faire trop. Donc, déjà, on va mettre en route la scierie pour faire du bois de manière autonome ici. Et on est comment au niveau nourriture? Ah, on est déjà en stable. Donc, on va augmenter ça drastiquement. Voilà. Ok, donc ça fait 3. Et du coup, je peux faire 2. J'ai manqué un petit peu de main d'œuvre, un tout petit peu. Vous ne me faites pas confiance, je vous le rends bien. On va augmenter un tout petit peu la population. Ok. Ici, ça se passe comment du coup? Je commence à faire du bois déjà, c'est tout ce que je demande. Je vous remercie. Et de toute façon, ils sont pas assez nombreux pour avoir encore besoin des plantains. Donc ils sont 5 par maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 5, 30. Donc, je peux faire au moins 3 maisons de plus. On monte à 45, on dépassera pas les 50, il n'y aura toujours pas besoin de bananes pour le moment. Le temps qu'ici, on règle le petit souci de main d'œuvre. Et on mettra en place, on va la faire tout de suite d'ailleurs, une route. Alors, on va faire une route commerciale. On va y mettre la goélette que j'ai par là. Voilà, le bel ami. On va démarrer d'ici, on va là. Là, on récupère du plantain. On va en récupérer 12. On va livrer là. Et on va tout livrer si jamais j'ai besoin d'augmenter. Plus tard, ce sera bon. Accepté. Et voilà, c'est en place. Alors, on va vérifier quand même. Là. On va
faire passer par là. Sait-on jamais. Voilà. Parce que mon port est de ce côté. Il est du côté opposé en fait. J'aurais pu le faire de l'autre côté ici. Mais je préfère, d'un point de vue sécurité, le mettre là pour les bateaux qui vont partir vers le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est par là. L'Ancien Monde, pardon. Donc du coup, c'est un peu plus sûr. Ok, là ici, la population, c'est bon. Au niveau romerie, là j'en ai deux plantations. Donc on peut attaquer la romerie en tant que telle. Il manque toujours un peu de main d'œuvre. Alors on va d'abord faire les alpagas. Ça on peut les faire n'importe où. On va faire ça par là. Voilà. Voilà, de quoi faire des vêtements. Et en bonheur, et en bonheur, et en bonheur. Il y aura du rhum dans un premier temps, et après l'église. Ce sera pas très compliqué à faire. Et le rhum, je pourrais en faire ici aussi. Ça pourrait être intéressant. Alors, je suis obligé d'exploiter cette île en premier parce qu'il y a la banane. Que alors, déclaration de guerre ou paiement 60 000. Ah ouais, ouais, donc ça va vite. Hein. Ben non, paiement 60 000, non. C'est juste pas possible. Par contre, on va aller un peu ici et on va se fabriquer une ou deux frégates. Les concurrents sont désormais en guerre. Voilà, on sert deux frégates au moins. Est-ce que j'en ai là, des frégates? J'en ai une là. On va l'envoyer vers le Nouveau Monde. Parce que là maintenant, ça plaisante plus. D'ailleurs... Oui, je sais, c'est la guerre. Est-ce que je peux récupérer des canons pour les amener sur mes îles là-bas? Il m'en faudrait 20 au moins. Ouais, pas mal. 20, on remet 30. Une frégate de première classe. Est-ce que j'ai des choses à prendre? Oui, tant qu'à faire. On va prendre de l'argile que j'exploite toujours pas là-bas. Peut-être de l'acier. Voilà, ça a toujours ça d'avance. Alors, tant qu'à faire le voyage, on va le faire à plein. Et tu vas vers le Nouveau Monde. Donc avec les canons, on va pouvoir se défendre des pirates. Et avec les frégates, on mettra en place oui. Une... On pourra mettre en place une escorte. Mais en plus, ils se baladent assez loin. Donc il faut être méfiant. Genre de la fortune, c'est pas un rigolo. Alors... Là, ici, on fait du bois. Tout va bien. Pour l'instant, ils ont besoin de rien. Et ici, voilà, on remonte en population. Ah, une quête. Vous pouvez faire ça pour moi. Là. Photographie, oui, bien sûr. Pas trop d'aider un vieil homme dans le besoin. Alors. Une photo de la famille, ok. Voilà, super photo. Voilà. Je suis pas peu fier. Super, corporation coût d'entretien moins 100 avec toutes les briqueteries. Impeccable. J'ai de la briqueterie gratos. Ça, ça va être utile. Alors, si je pourrais en mettre deux, ce sera surtout utile dans l'Ancien Monde. Donc, on essaiera de la rapatrier. On va essayer de pas l'oublier. Ça, c'est le plus dur. On peut oublier les choses. Alors, ici, on en est où? Ok, en population, on est bon. Ils ont ce qu'il faut là. On peut déjà les augmenter, mais on va patienter un peu. On va mettre ça déjà. On peut leur mettre une chapelle. Voilà.
comme ça, le bonheur, il monte. Il manque juste le rhum, donc il nous manque juste la romerie. Alors, là j'ai mes champs de canne à sucre. Où est-ce que je vais la mettre, la romerie? Là et là, voilà. Par contre, on va mettre une caserne de pompiers à côté. Voilà, parce que ça a une fâcheuse tendance à exploser ces petites bêtes là. Donc on va faire attention. Ok, on fait le point. Ça c'est bon. J'ai bien deux plantations de canne à sucre et deux romeries. Pour l'instant, c'est un petit peu juste encore en main d'œuvre. Au niveau manger, j'en ai trois. Trois plantations de bananes et trois fabrications d'huile de poisson. Et trois fabrications de cuisine de plantains frits. Ici, j'ai bien le plantain qui doit arriver normalement. Alors, je suis à 0 stable, mais. Ah oui, parce qu'ils en ont toujours pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils fichent mon navire? Ok, mis sur la route. Est-ce que la copine là, elle vendrait pas. Ça pourrait marcher. Une frégate, 21 000. Allez, soyons fous. On va le mettre en escorte ici. Tant pis, on va attendre un peu. Ah, voilà. Oh la vache! Ah non, mais elle me plaisante zéro quoi. Ok. Ah ouais, non mais là, ok, il est arrivé mais vraiment en force quoi. La vache, il m'a défoncé quoi. Reste là toi, reste là. Je suis votre débitrice. Ah bah dis donc, j'ai bien fait d'acheter une frégate. Et il va falloir faire très très attention. Alors on va mettre un recrut de réparation, ça va être compliqué pour le moment. Chantier naval aussi. Ok. Vivement que le bateau. Vivement que le bateau avec le. Avec les canons arrive. Alors, navire construit, voilà. Toi, go vers le nouveau monde. Je pensais pas qu'il serait autant agressif quand même. Falloir que je monte un peu en artisan. Donc on peut augmenter la population. Augmenter par là, par là. Ici. Ici, voilà, tout autour du centre. Oula, j'ai trouvé que c'était un peu gaillard. Du coup. Ça c'est bon. Ensuite, ici, partie sauvegardée. Voilà, je pense qu'on va monter. Voilà, j'ai déjà débloqué le clipper et navire de ligne aussi. Sauf que navire de ligne c'est extrêmement coûteux en canon. Qu'est-ce que j'ai en fabrication ici de canon? Ah, j'en ai deux déjà. Alors, est-ce qu'il ne serait pas en manque? En acier, je suis stable. On peut augmenter un peu la productivité. 20%. Voilà. On va essayer d'augmenter ça. Allez, on revient ici. Ah, mais lui, il plaisante zéro, quoi. Vraiment, vraiment. Alors, j'ai une frégate qui est arrivée là déjà. De nouveaux ordres. Ah,
lâcher mon... Non mais lui il va se faire défoncer, c'est obligé. Alors, tu vas revenir là. Je vais te mettre sur pause et tu vas revenir là. Voilà, parce que là je sens bien l'embuscade. Je sens bien l'embuscade. Ah, est-ce que je peux faire une grue de réparation par hasard? Je crois que ça coûte très cher. Ah, ça me coûte cher en argile que je n'ai pas. Donc je pense qu'il est temps d'augmenter déjà la population. Vous avez ça dans le sens. Je suis à plus 0, donc je suis juste. Hein. Je suis trop juste. Alors. Voilà. On va y aller gaiement. On va se garder une zone ici. Comme ça à peu près. Pour construire des bâtiments essentiels. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir augmenter. Certains habitants, alors pas trop vite. Vous avez franchi une nouvelle voilà, étape. C'est vraiment juste histoire d'avoir accès au nouveau bâtiment et de pouvoir faire les briques. Ah, il m'en faut 100, d'accord. 100 et 50. Enfin, 100 et 100 en fait, parce que là c'est une minute. Et ça produit en 30 secondes, donc il m'en faut 2 ici. Donc il faut 100 ici, plus 50, plus 50. Ah non, mais là. Là ça pue quoi. Ça pue vraiment. Ah, ça c'est mon bateau, ça. Votre navire est revenu yes. De son voyage. Et toi, t'arrives pile poil, hein, mon grand. T'arrives pile poil, quoi. Alors. Vite. Alors, je peux pas faire des canons. Ouais, non, tant pis. On va faire de la petite artillerie pour le moment. Ce sera déjà ça. Ça me coûte 5. Ça me coûte 5. 5 canons. Il m'en reste 20, donc on va en faire un troisième. Ah, j'ai plus de bois. Alors du coup toi tu vas récupérer voilà les 15 canons de trop. De nouveaux ordres, amiral. Qu'est-ce qu'il fabrique là? On peut charger en un jour et disparaître avant la nuit. Ouais, il fait demi-tour. J'ose même plus sortir quoi. Ainsi, c'est terre de légende. Ouais, bah, tu vas attendre un peu pour l'expédition. Frégate navire amiral. Alors, on va déposer ça. Oui. Mon navire amiral, il est un peu mal quand même. Il est quand même un peu mal. Ok, on est remonté à 80 paysans. Voilà. On va essayer de faire attention aux besoins. Ils ont besoin de tortillas, donc c'est pour ça que j'ai besoin de maïs. J'ai besoin de quoi? Ah, de maïs et de bœuf, ok. Navire construit. Il faudrait deux comme ça pour un comme ça. Alors il fait quoi? Il s'en va. Ok, il a l'air de s'en aller. Et on va commencer à faire un peu ça. Alors j'ai 60 bois, on va en profiter pour commencer à construire des ponts. Par là, on va mettre du maïs. Voilà. Toi c'est bon. Maintenant le bœuf. Alors. Voilà. On peut en faire un autre. Là.
un de vos navires est attaqué. Alors. Non, non. Entre la maison, toi. Toi, viens là. Ma frégate. Fallait tenter le coup. Ma frégate. Elle est morte. Ah, il est violent, hein. Ok. Le navire a été détruit. Ouais, je suis au courant, merci. Venez là. Un passif, voilà. Force passive. Ah, j'en ai coulé un peu. On va aller récupérer ce qui m'a lâché. Et surtout, on va pouvoir construire la défense, enfin. Alors. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Il manque du bois. Super. Il manque du bois. Ok. Ils sont où mes bateaux? Bah, t'as récupéré du rhum. Super. Très bien. Niveau rhum, on est comment? Là, c'est bon. Et là. 37. On est large. Large. Très, très large. Il va peut-être falloir augmenter directement ça pour pouvoir augmenter les capacités de stockage. Ok. On va augmenter encore notre population. Ok, je manque de bois, mais au moins je peux commencer à faire une briqueterie. Alors, c'est où ça? Eh, c'est un peu loin. Ok, on se retrouve après un petit plantage. Rien de bien méchant. Mais décidément, ça m'arrive un peu trop souvent à mon goût. Alors, j'ai complété la construction ici, puisque je vais récupérer assez de bois. Je viens de compléter la construction ici. Et j'en étais à prévoir voilà, l'argile qui est par là. Voilà. Déforestation, c'est pas très écolo, mais bon, il faut ce qu'il faut. Votre ville s'est enlaidie. Ok. Les pirates sont quand même extrêmement agressifs. Je crois que je l'ai déjà dit 4 fois, mais c'est pas grave. J'en suis très étonné parce que dans mes autres parties, ça n'a pas été. Comment dire? Ça n'a pas été aussi agressif et surtout aussi vite. C'est vrai qu'ils se baladaient, ils m'attaquaient des fois avec un bateau ou deux, bon. Ok, mais là, là ils mettent la dose quoi. Là, ils sont arrivés à 5-6 bateaux, c'est juste pas possible. Donc là je pense que c'est déjà bien défendu. On va regarder l'ancien monde. On va revenir ici. Alors j'ai une frégate de plus. Est-ce que je peux faire un navire de ligne? Oui. On va le préparer, alors c'est assez long, c'est 12 minutes je crois pour faire un navire de ligne, mais on va envoyer la frégate supplémentaire. Ouais c'est ça, 12 minutes. Tous à vos postes. Est-ce que je l'envoie? Je l'enverrai pas avec des cannes. Ah, on a plus de. Continuez comme ça. Ah, je suis en manque. Je suis en manque de vêtements. Ok. J'en ai 4. J'en ai pas assez donc. Où est-ce que sont mes fabriques de vêtements? Elles sont là. On va faire au moins 2 de plus, je pense. Un dernier coup d'œil. Voilà. Et 2 de plus comme ça. Alors, de ce côté-là, ça va pas le faire. Voilà. Alors oui, ça va nécessiter pas mal d'ouvriers. Alors c'est la guerre, oui, ça, malheureusement. Pas de correction. Je suis c'est au courant. Alors. Vous avez perdu un bonus d'influence.
augmenter un peu la population. J'ai beaucoup d'ouvriers. Enfin, c'est peut-être ça aussi qui joue, mais bon. Je pense que ça va remonter. Hein. Ça va remonter. Là, à part les vêtements, il manque rien d'autre. Donc j'espère que ça va se stabiliser. Et bah, ça va continuer à descendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi ils s'en vont? Ah, ça commence à remonter. Allez. J'en ai fait deux de plus. Partie sauvegardée. Ils sont déjà à moins 7, alors voilà. Oula. Ouais, non, ça peut être possible. Moins 10. Allez, moins 10. La charrue en métal a changé beaucoup de choses, si. Alors, eux, ils ont du mal à accéder au marché. Est-ce que c'est mieux? Ça remonte, mais c'est juste. Ok. Alors, on va refaire une route ici. Et on va refaire un marché par là. Il est où mon autre marché? Il est là-bas, ouais. On l'éloigne un peu. Voilà. Ok, marché c'est bon, poisson. Poisson c'est juste aussi apparemment. Bon, j'ai beaucoup de stock. Saucisse aussi, savon aussi. Machine à coudre, j'ai pas fait encore. Ça remonte, ok, on est bon. Donc le navire ici peut. A été lancé, on revient sur le nouveau monde. Alors, ah, j'ai enfin du bois. Alors, j'en consomme 20 ici. Là. Et je vais en consommer 20 ici. Ok. Mieux vaut arraisonner un navire que le couler. Alors, du coup. Est-ce que je peux mettre des choses en achat? Des armes par exemple? Ça va? C'est jamais. Sait-on jamais? Alors je pense qu'il s'est un peu calmé là pour le coup, heureusement. Alors, ma frégate va venir en escorte sur lui et lui va reprendre sa route. Ok. Espérons que ça suffise, une frégate en escorte. J'espère vraiment que ça va suffire. Ok. On va commencer l'argile. Ah, j'ai pas assez de main d'œuvre. En même temps, j'ai tout petit village. Hein. Mes petits enfants, pour le moment, c'est tout petit, tout petit. Alors, on va agrandir. Mon marché est où? Mon marché est là. Donc on va agrandir par là. L'incendie s'est déclaré. Ah. Hop, mobilisation, c'est parti. Je vais manquer de bois. Ok, de ce côté-là, du coup, ils doivent commencer à avoir un peu, voilà, de bananes. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Ok. Pour faire du rhum, j'ai besoin que de paysans. Alors est-ce que ça vaut la peine eux de les augmenter? Je suis pas certain. Alors ils vont avoir besoin de ça aussi, on va prévoir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sur cette île? Je vais pouvoir faire du café, du cacao et du tabac et le coton. C'est très important le coton aussi. Je vais en avoir besoin dans pas trop longtemps. Est-ce que j'ai de l'argile? Parce que ça, je vais en avoir besoin. Ah oui, mais pour l'argile, par contre, effectivement, j'ai besoin de l'étape supérieure. J'ai besoin des ouvriers. Et là, j'ai pas envie. Très simplement, j'ai pas envie. Alors,
L'incendie fait rage dans l'une de vos usines. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je l'ai mis en défense passive et il est attiré par les... Ouais, là, c'est qu'une petite canonnière, donc ça va. Tendez les cordages. Ça m'aurait au moins que tu la finisses, ça serait sympa. Oula. Pêche-toi. Mon navire amiral peut venir à la rescousse. C'est quoi, c'est un clipper peut-être? Non, c'est une frégate. Formulerai une offre de paix valable. Un nouveau navire est attaqué. Partie sauvegardée. La flotte est prête. Ok. Retour à la maison. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Alors, c'est bon là ou pas? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Un navire attaqué, il y a feu à Francfort. Ah. Ah, mais là... Là, je suis trop loin. Là, je suis beaucoup trop loin. C'est qu'il y a une sacrée densité là aussi. Alors là, c'est revenu à la normale. Au niveau des besoins, donc il manque toujours de rhum. On va pouvoir mettre en place la route. Et on va pouvoir mettre en place les machines à coudre, je pense. Ça j'en ai. Donc il faut juste une usine. L'incendie a été maîtrisé. On peut mettre là. Voilà. Votre navire est revenu de son voyage. Alors, ça c'est ma nouvelle frégate qui arrive. Frégate sur cap d'escorte. Ah oui, c'était mon navire d'escorte en fait. Je pense que c'était mon navire d'escorte. Ok. Ok, 232. Là on est très bien. On va pouvoir augmenter. À tour de bras. Hop. Ah. Allez. Ah, c'est les planches qui me manquent. Ok, pas bien grave. Pas bien grave, sauf que du coup, j'ai plus de bois. Je ferais peut-être bien une troisième... Oui, là, ça sature à mort. On va faire du bois en plus, hein. On va faire du bois en plus, et... on va surtout... Est-ce que j'aurais pas un clipper? Est-ce que je peux créer une route commerciale entre là et l'ancien monde Arca? Est-ce que j'ai un clipper? J'ai des frégates. On va peut-être pas utiliser frégates pour ça. Goélette, ça me paraît un peu light. Il me faut un clipper. On ne garde pas les mains douces dans mon travail. Par contre, on va charger du rhum. On peut en prendre 50, je pense que. Et on va décharger le rhum. Accepter. Alors 50, c'est peut-être beaucoup. On va mettre 40. Ouais, 35. Je pense que ça devrait suffire. Accepter. Il faudra juste que je mette un bateau dessus. Alors j'ai un peu d'argent, du coup, est-ce que j'achèterai pas son clipper à elle? L'incendie a fait des ravages. Alors on va aller voir ça après. Vends-moi ton clipper. Allez. Mon frère a voulu répondre yes. À la violence par la vie. Ok, et on va le mettre sur la route. Hop, hop. Le comète, accepté. Qu'est-ce qu'il a? Un de vos navires est attaqué. Ah oui non, là je décharge, pardon. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je ne sais pas. Voilà, accepté. On ferme, navire attaqué. C'est, oui. C'est ma navette. Ok. Oh là là, ça bouchonne.
Ça bouchonne. Comptez sur nous. Faudrait que je mette en place l'argile, mais c'est chaud. C'est compliqué. Alors, je peux faire la briqueterie. Je vais pouvoir faire un dépôt. Là, ah, j'ai encore un navire attaqué. Ah ouais, non. Capable d'encaisser. Ouf. C'était juste. Hissez le drapeau corsaire. On a subi des dégâts, amiral. Ah, tu m'étonnes qu'on a subi des dégâts. Entraîné par le fond. Dis bon, moi je récupère un truc sympa. Navire construit. Allez. Des voiles, ok. On va faire de notre mieux. Et on va rentrer à la maison surtout. Faut vraiment que je fasse une grue. Est-ce que je peux pas acheter de l'argile d'ailleurs? Ça m'arrangerait bien. Si quelqu'un vendait. Il squatte vraiment, hein. Il squatte la zone, c'est un enfer. Vraiment quoi. Vraiment. Alors, navire construit. Est-ce que ce serait pas mon navire de ligne? Navire si, de impeccable. Ligne, au rapport. Ça c'est quoi? C'est une frégate qui est en escorte sur mon clipper. Alors, toi, tu vas venir. Tu vas prendre des canons avec toi. Je pense que du coup, je dois en avoir. Je dois avoir un peu d'avance. Ouais. 20. Prête comme jamais. Et on va t'envoyer au Nouveau Monde. Voilà. Avec le navire de ligne, il fera moins le malin, le genre de la fontaine. Bon, j'espère en tout cas. Petit comptoir. C'est moi ça? Ah oui, c'est sur l'ancien monde, ok, normal. Alors. Non. J'attends un défi à relever. Oui, qui sauve sa peau, c'est tout ce que je lui demande. Est capable d'encaisser. Ouais. Oui. Frégate, navire amiral. Ils vont où, hein? T'es en escorte, et toi? En expédition? Non, t'es pas du tout en expédition. Hein. T'es un escorte. Ouais, je l'avais mis en escorte sur le clipper, peut-être. Peut-être. C'est fort probable. Je m'en souviens déjà plus. Tout va bien. Bon. Ok. Une briqueterie. Et du coup. Du coup, on est bon. Il m'en faudra une deuxième, mais pour le moment, pas d'urgence. On peut peut-être la faire maintenant. Allez. Voilà, impeccable. Donc j'ai tout. Il manquera juste l'acier, mais de toute façon, je peux pas en faire ici. Je peux pas en faire là non plus. Il n'y a quasiment pas de fer, je crois, sur ces îles. Ouais, pas du tout. Mais au moins, je vais pouvoir faire la grue de réparation. Et ça, ça va bien me sauver la vie. Je mettrai bien des pompiers aussi, par là. Parce que je sens bien le drame arriver. Et puis voilà, on aura fait une belle avancée, une belle étape sur la partie avec... la mise en place de manière, on va dire, sérieuse, le nouveau monde, et surtout la première ligne d'affrètement avec l'ancien monde pour le Rhum, déjà dans un premier temps. Je pense que mon bateau est déjà en route, voilà, il est là.
Et dès que le navire de ligne arrivera, je pense qu'on en fera d'autres. J'en préparerai d'autres, je pense, au moins un ou deux de plus. Parce que le niveau budget, on a ce qu'il faut. C'est les canons, on a du mal à les... On a un peu de mal à les faire avancer. Là, on va l'augmenter. En canon, je suis très très juste. Donc je vais essayer de réparer un peu ça, d'augmenter un peu les canons, de préparer 2-3 navires de ligne supplémentaires. Et puis voir un petit peu comment ça bouge avec la mise en place du rhum qui va arriver. Ça devrait me rapporter 17 pièces par maison, ce qui est pas mal du tout. Donc ça va augmenter bien les finances, même si là ça va quand même beaucoup mieux. Et quand ce sera un peu plus calme avec les pirates, quand je les aurai un petit peu calmés, on mettra en place les premières expéditions zoologiques et on pourra mettre en place le zoo. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à mettre dedans, mais ça va attirer du monde et du coup, on pourra faire. J'ai l'hôpital qui est là. Alors, lui, l'hôpital, on va le mettre parce que quand ça arrive, c'est souvent trop tard. Les maladies. Et on mettra en place du coup le zoo avec les animaux et surtout l'embarcadère ou le débarcadère, je sais plus, pour l'amarrage public, voilà, pour pouvoir accueillir des touristes sur mon île qui a une réputation pittoresque. Ok, j'ai baissé en attrait, mais le zoo va servir justement à augmenter ça et à attirer du public et à gagner beaucoup d'argent. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao.